ça? Pourquoi tu prends des trucs comme ça? Range ça. Range ça, je te passe les clés. C'est bon, regarde, je les passe les clés. Range ça, je te passe les clés. C'est bon, regarde, tu vois, tu les as. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va piéger un voleur de voiture avec ma BMW. Je vous explique, l'idée, elle est très simple. Il y a des abonnés qui m'ont contacté pour me dire que dans le secteur là où je me trouvais actuellement, là où j'étais garé actuellement, il y avait un voleur de voiture qui rôdait et qui s'amusait à voler des voitures. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais tenter de piéger cet individu en laissant ma voiture garée ici avec la fenêtre ouverte. Je vais cacher la caméra pas loin. Je vais me cacher aussi également. On va attendre le temps qu'il faudra. Je sais pas, peut-être ce sera aujourd'hui, peut-être ce sera un autre jour, mais on va rester en planque le maximum de temps possible. Et quand on tombera sur cet individu, bah, tout simplement, on le piégera à la façon Mikalash. Donc, écoutez, je pense vous avoir tout bien expliqué. Ce qu'on va faire, c'est que je vous fais une petite coupure et on se retrouve directement au moment où j'arrive à mettre la main sur cet individu. A de suite. Bon, la famille, là, ça fait 3 heures que j'attends. Il y a un individu de type capuché qui arrive avec une démarche déterminée à la Conor McGregor qui s'approche de la voiture. Alors écoutez, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, il est en train de faire le tour de la voiture. Je sais pas si c'est lui le voleur, hein, si c'est juste un petit curieux qui regarde. Mais écoutez, on va le laisser un petit peu faire. J'espère qu'il va pas m'abîmer la voiture parce que je vais péter un câble sinon. Qu'est-ce qu'il fait le frérot? Il est là pour voler la voiture ou il est en train de me faire la révision là? Il est en train de me caresser les pneus. Bon, écoutez, je vais me rapprocher parce que... Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Bonjour! Attention! Attention! Lâchez-le! 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 Mais quoi? T'es malade toi! Attention, vite, sortez de la voiture, monsieur! Sortez de la voiture, monsieur! Vite, vite, vite! Mais sortez de la voiture. Vite. Dépêchez-vous, sortez de la voiture. Sortez vite. Vite. C'est bon. Tu veux quoi? C'est bon, vous allez bien? Qu'est-ce que tu viens? Non, la voiture, elle est en train de vous agresser. Vas-y, casse-toi de là, frère. Vous allez bien ou pas? Qu'elle m'agresse pas, gros fou. Vas-y, casse-toi. Mais non, la voiture là, j'ai vu. Cassez-toi, je te dis, vas-y. Vous êtes approché comme ça, elle vous a aspiré. C'est moi qui rentre dedans. J'ai vu, vous êtes pris un coup de volant dans la tête et tout, c'est parti. Vous êtes blessé? Vas-y, casse-toi, vas-y, laisse-moi. Les pompiers, la police. Cassez-toi, je te dis, laisse-moi tranquille. Mais pourquoi? Casse-toi, t'es un malade, vas-y, casse-toi. Mais non, c'est vous qui êtes un malade. Vous êtes là, vous voulez lâcher un tête contre une BMW et vous croyez que vous allez gagner? C'est ma bagnole que tu racontes, gros fou, vas-y, casse-toi de là. C'est ta bagnole? Oui. J'aime bien le bagnole. Bah quoi? Vas-y, trace ta route, vas-y, tu t'en fais trop là, vas-y, trace ta route, y'a rien. Comment? Fais bien, tranquille. C'est bon? Trace. C'est du souci. Va te faire du souci ailleurs pour quelqu'un de vas-y, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de toi. Mais pourquoi t'es autant agressif? Mais ça fait quoi? Mais pourquoi? Tant de haine? Oh, tu comprends quoi? Donc casse-toi, vas-y, va ailleurs. Bah casse-toi, ça peut avoir plusieurs significations. On peut casser des choses. Ouais, tais-toi, vas-y. On peut se casser. Et on peut casser aussi en couple, un couple, là où il y a un couple, on peut casser aussi, ça, je l'ai celle-là. Tu fais des vidéos sur TikTok, non? Et on doit deviner les trucs que tu dis. Qu'est-ce que tu me parles de TikTok? J'ai une tête à aller sur TikTok, moi. T'as la tête du logo TikTok. J'ai la tête de ce que tu veux, toi, t'as la tête de je sais pas qui, elle est cassée, toi. Mais pourquoi t'es en tant de haine, tant d'énervement? Tu me tires les pieds et tout. Mais non, c'est tu me connais pas, tu me touches, toi. Mais bien sûr que je te connais. Mais vas-y, tu me connais d'où? Je suis qui? Comment je m'appelle? Mais c'est toi qui fais les vidéos sur internet. Je ne fais pas de vidéos, vas-y. Mais bien sûr que si. Les vidéos pour adultes. Avec d'autres hommes, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, casse-toi de là, s'il te plaît. Mais non, mais je t'ai reconnu. Je fais pas des trucs comme ça, vas-y, sors. T'es sûr? Quoi, ils sont trop... 4 à côté de toi. Ouais, je te le dis calmement. Ouais. Je vais monter dans les tours, sinon... Je te le dis calmement. Pars. Tu vas monter dans les tours? Je vais monter dans les tours comme la BM. Et t'as vu, quand je vais monter dans les tours, je vais remonter dans les tours et je vais tout... Comme ça, t'as vu? Ah ça, c'est quand tu fais tes... C'est ce que tu fais sur internet, ça, non? Ça, je vais le faire sur ta tête, là. Ah bon? Mais par rapport aux tours, fais attention. Parce que c'est déconseillé de monter dans les tours, en général. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais... Tu sais... Le sang, s'il te plaît. Oui. Je sais pas ce que tu veux, mais... Trace ta route, laisse-moi tranquille. Mais par contre, pas, tu te déranges là. Non, je suis désolé, mais j'ai pas de sang sur moi. Bah, tu vas en avoir, je vais t'en mettre plein la tête si tu restes. J'ai plein de billets de sang sur moi, mais j'ai pas de billets de sang. Par contre. Vas-y, je prends ta casquette, je me passe les 2 billets de sang que t'as sur toi, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais te foutre à poil, mec. Mais fous-moi à poil. Je vais te mettre à poil, putain, tu vas finir de me prendre pour un fou là. Vas-y, mets-moi à poil. Bien sûr que je te prends pour un fou. Je te reclenche. Je te
enclencher ça. Mais non, je veux que tu me mettes à poil. Tu vas finir à poil, mais tu vas pas finir au bon endroit à poil, toi. Je te le dis direct. Il y a aucun mauvais endroit pour être à poil. Avec moi, c'est open bar. Eh ben, avec moi, il y aura vraiment des mauvais endroits, tu vois. Je préfère être à poil sur un bûcher et qu'on allume le feu avec de l'allume-gaz. Ou que tu te trouves à poil, mais derrière le code de la BM quand elle va brûler avec ton corps dedans, là. Ouais. Ça va là, tu... Ouais, tu me fais monter en pression là. En pression? Tu me fais vraiment monter en pression, tu vas voir. Attends, fais voir la pression des... Vas-y, arrête de prendre pour un fou là. Pourquoi tu t'énerves? Tu rends l'eau quoi. Mais tu me dis qu'il y a la pression. Je regarde. Je sais quoi. C'est dangereux de rouler avec tes pneus sous-gonflés, tu le sais ça? Je t'ai dit deux fois tout à l'heure. Là, c'est la troisième. Là, je vais commencer à monter dans les tensions, dans tout ce que tu veux. Dans ma tête, ça va faire ça. Et je vais refaire ça. Et je vais t'enchaîner. Puis attends, tu perds connaissance. C'est gros fou que t'es. Elle part d'un coup après. C'est moi quand tu me fais monter dans les tours. Arrête de monter dans les tours. Ah, t'as eu peur, hein, grosse folle que toi. Oh, toi aussi, t'as eu peur. C'est le malin comme ça. Je t'ai pris à te contrer, c'est toi. Tu crois quoi? Réflexe cartésien. Cartésien? Bon, écoute, moi je vais essayer de faire un petit tour en voiture. Attends, bouge pas. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? T'as un malade mental ou quoi? Pourquoi tu mets des fessées comme ça? Tu veux que je fasse quoi? T'aimes bien ça ou pas? Non, j'aime pas, vas-y. Tu veux qu'on refasse? Ah, casse-toi, vas-y. Attends, vas-y. Casse-toi, tu commences à me faire monter en pression là. Et pourquoi? Tu veux que je remonte en pression encore? Mais non, c'est pas la peine. Tu veux encore que je remonte en pression ou tu veux que j'appelle une équipe et on vienne à plusieurs te défoncer? En fait, il y a un truc que je voulais te dire depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, si tu veux, genre ce matin j'étais chez moi, tu vois, j'ai pris ces clés. Que tu vois, regarde où c'est écrit. Je suis BMW. Les clés, arrête de me raconter des histoires, des salades, de je sais pas quoi là. C'est mes clés, passe-moi les clés, casse-toi le gars. Tu manges des salades? Et tais-toi, vas-y, je vais te mettre des salades dans la tête à coup de. Mais moi je mange beaucoup de salades en ce moment, je fais un régime. Mais je m'en bats les steaks, tu comprends pas, vas-y. Non, les steaks c'est un peu gras par contre, faut faire attention. Oh là là, vas-y. Elle va partir d'un coup comme ça, je sais pas où. Comme ça, tu vois. Mais bon, moi je t'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'ai pris les clés, je suis monté dans ma voiture, et après, je me suis garé ici. Et j'ai laissé les fenêtres ouvertes pour pas avoir chaud. Je me bats les c***, c'est toi, je m'en fous, passe-moi quand même les clés, je vais devenir impulsif. Tu vas faire quoi? Je vais devenir impulsif. Tu vas faire quoi? Impulsif, tu sais ce que c'est être impulsif? Je vais devenir impulsif, incontrôlable. Ouais? Et fou, quoi? Et alors? Eh ben, je vais te monter en l'air. Vas-y, monte en l'air. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, attends, tu sais quoi? Vas-y, viens. Je te sors le couteau là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu sors des trucs comme ça? Pourquoi tu sors des trucs comme ça? Range ça, je te passe les clés. C'est bon, regarde, je te passe les clés. C'est bon, regarde, tu vois, tu les as. Vas-y, dégage, casse-toi. D'ici. Ouais, c'est Fada, ouais. Il est fou, lui.